Ah, fin, man. J'avais tellement de fun, Délix, ça oui! Ça m'étonnerait pas qu'il parte avec elle. Ben là, parce qu'en ce moment, il y a plus de gonds. Ben, ça serait quand même un bon show qu'il essaie de reconquérir Cam. Il va pas faire ça! De faire Cam, elle a pas eu de voyage encore. Qu'est-ce qu'il va faire, Cam? Il a dit, on aurait aimé ça défendre notre point. C'était quoi son point, tu penses? C'était quoi son point? Ben, de t'éliminer toi. Il veut m'éliminer parce que j'ai brisé le cœur. Kev, il est intelligent, il est pas cave, là. Il va pas aller reconquérir. Non. Cam est avec Louis, il fuck off, là. C'est une gale amie. Qui t'a mis le plus avec tout le monde? Ça sera même plus ton chum en sortant. J'ai posé une question un peu plus tôt. Messieurs, est-ce que... Sont tous beaux chums encore aujourd'hui, là? Louis et Kev sont vraiment devenus... sont devenus encore plus proches, t'sais. Ils se connaissaient pas non plus full proche avant, là. Vous avez déjà entendu parler du top 4. Tout de suite, j'ai fait le lien. Je me suis dit, c'est trois gars de l'autre bord, plus Kiki. Il met les trois filles sur la table. LP, Kevin et moi, c'était nos filles. T'avais jamais entendu parler du top 4? Il y a marrant qu'il en parlait, c'est comme si tu savais c'était quoi, genre. Kiki dit qu'il était pas au courant. Mais Robbie! Tantôt, il est revenu. Ben, tu sais, quand il m'a demandé de désir, c'était quoi? Comme, je suis pas grave, j'étais comme très bizarre. Non, mais j'ai fait le lien aussi. Ouais. Apparemment, il y a des discussions de top 4. Chiki m'a dit qu'admettons, il souhaiterait qu'avec Louis, justement, quand je me rends en finale avec eux. Puis, admettons, il y avait 4 équipes. 4 équipes, 4 coupes. Puis les autres, ben, ils nous verraient. 4 équipes! Ils t'ont dit ça hier? Non. Après le. La game de Benjamin, ça. Mais tu sais, tu peux dire ça à n'importe qui. Puis mais Kiki, c'est le double agent, tu comprends? Le fait qu'ils disent un top 4. C'est rough, là. Je suis surpris, là. Je suis comme. Ah, c'est gentil. C'est comme ça change pas vraiment grand chose, mais c'est gentil de penser à moi même si je suis plus avec vous, j'allais plus avec vous. Si c'est vrai ou pas, honnêtement, je m'en fous. Tout est possible encore. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. L'une d'entre vous partira en activité dès demain. Et pour savoir où, je vous invite à aller récupérer le sac que Bentley a laissé sur votre seuil de porte et à bien analyser les indices qui se trouvent à l'intérieur. Non! Bouteille d'eau. Camille a une bombe! Féminin. Robe de chambre. Oh, il s'en va au spa! Salut mes petits colombos! Eh oui, vous aurez compris qu'un couple de chanceux se fera dorloter et traiter au petit encore soir Camille. Du luxueux spa de Cape Town. La chanceuse qui aura droit à ce merveilleux moment est Camille! Gros, ça n'est cave pour elle, t'es comme, dude, what the fuck, c'est bon, encore! En tout cas, c'est insane! Le chanceux qui aura droit à ce petit moment de détente est Kevin! Bonne soirée! C'est cruel, man! C'est cruel! C'est weird pour elle! En ce moment, il y a une opinion de moi qui est très négative. Ouais. Toi? Je vais la changer. Ouais. Du coup, ben, je vais pouvoir parler à Kev, puis espérer qu'il arrête de dire de la merde sur moi. Ben là, là de la merde. Je pense pas mordre comme une pancarte de poisson. Tu sais, man, je vais comme, man, Kev, je vais bien prendre avec toi, là, je comprends pas comment tu peux te permettre de me bâcher, man, pis genre, de dire man, n'importe quoi. Hey, man! Quand moi, je suis juste là, j'ai le cœur brisé, puis malgré tout, je t'ai jamais dit de rien de dégradant envers toi, whatsoever. Ah ouais. Trevor, same! Mais même plus pire! Je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle filait plus, Camille, à ce moment-là? Là. Ouf! Two 16 minute massages. Il va-t-il donner sa lettre? Je pense qu'il donne en plus. Avant mon moment avec Kev aujourd'hui, j'avais quand même une grosse boule au ventre. J'étais stressée. On était comme dans une petite hutte gazebo super romantique. En fait, on vient juste de faire une rupture. C'est sûr que c'était un petit peu tendu parce qu'on savait dans quoi qu'on s'embarquait. C'est la discussion tant attendue, si on veut. Disons que peut-être que je me suis pas relaxée à 100%. Camille, elle a eu le maximum d'activité. C'est fou. J'ai eu un parcours quand même assez stressant, fait que ça avait vraiment fait du bien de juste comme évacuer le stress puis de profiter du petit moment avec la petite musique douce. Là, c'est plaisant. En fait, j'avais jamais eu de massage de ma vie. J'ai pas été déçue. Mais voyons, le petit snack est en... Je me sens détendu. Moi aussi. Cheers. Ah. Je pense que ça va alléger la discussion qu'on va avoir. Mais le setup est cute quand même. Je suis contente d'avoir l'opportunité d'avoir une journée super avec toi. Mm-hmm. C'est détente. Puis je pense que tous les deux, on est tendus. Ouais. Puis pour vrai,
Ouais. Je te vois des excuses. Je vais t'expliquer pourquoi. Mm-hmm. Moi, je voulais juste qu'ils entendent ma version des faits, puis juste se dire des vraies affaires. Tu sais, je voulais les pas faire de faux espoirs. Du coup, je me suis comme mis un mécanisme de défense où j'ai dit des choses négatives sur toi. Mécanisme de défense. Ok. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu la peine, tu sais. Hein? Ben, je sais. Moi, j'ai jamais rien dit de mal. Hein, oui, il t'a dit quelque chose, par exemple. Que j'ai dit? T'as dit que toi, tu m'aimerais plus que lui m'aimerait. Ben, je vois pas ça comme une manière. Ben là. C'est vrai que c'était pas mal, hein. C'est vrai. Quelque chose de négatif. C'est négatif? Envers ma relation avec lui, là? Ça veut dire que tu crois pas? Je peux dire que je croyais pas. Tu sais, Matt est arrivé avec une certaine hypothèse, puis je pense que c'est pas inconnu pour toi, là, en ce moment. De quoi? Ben, c'est juste le fait que t'es une grande joueuse en game, là. Ben. Mais tu laisse-moi terminer. Dans mais je veux gagner comme tout le monde, là. Non, je sais. En fait, c'est moi qui ai apporté le fait que tu connaissais, qu'il y avait une relation entre ton frère. Non, mais on se connaît pas, Kev. Non, non. J'ai pas dit toi. Mais là, c'est parce que tout le monde dans la maison pense que je le connais. C'est pas ça que j'ai dit. Le jeu du téléphone, là. Ici, eh bien, elle sortit en tabarnak, là. J'ai dit, il y a une connaissance entre le... En tout cas, bref. Que là, du coup, tout le monde dans la maison pense que je suis une menteuse. T'as dit qu'on se connaissait, puis là, tout le monde pense qu'on se connaît. Non, j'ai pas dit que tu connaissais ça. Louis. J'ai pas dit mais que tu connaissais. Mais eux, ils pensent ça. Elle se souvient de notre téléphone. Ben, je sais. Je sais. Ça s'est retourné contre moi pour un jeu du téléphone qui a mal tourné à cause de quelque chose que t'as dit. Écoute, je pensais avoir été clair. Mais t'as pas été clair. J'ai été clair. Non, mais t'as pas été clair. Clair. Tout le monde pense que je suis une menteuse. Fait que c'est de la merde que tu joues, quand je sais pas. Même les filles, là, sont tenues nous voir, là, au parti, là. Mais on a tout réglé ça, là. Mais t'as fucké ma game, quand. Moi, je me sens juste trahi. Je veux juste, genre, me faire ma propre opinion de toi. Je te l'ai dit, là, c'est quoi mon opinion envers toi, là. Non, parce que t'as retourné tout le monde contre moi, Kev. Ok. Non, c'est pas moi qui ai retourné tout le monde contre toi. Ça fait 2 semaines que Matt parle de ça, puis au pire, c'est son hypothèse à sien. Quelle hypothèse qu'il a? Que tu joues une game, que t'es la plus grosse joueuse, puis que tu as absolument gagné. Mais je vais pas me. Puis que tu passerais par n'importe quel chemin, n'importe quel gars pour te rendre en finale. Mais... C'est ça. C'est ça son hypothèse. Ça, par exemple, ça me fait beaucoup de peine. Est-ce que je joue bien mes cartes? Parce que je suis une fille intelligente? Je m'en fous de ce que vous pensez. Parce que vous allez voir la télé et vous allez vous sentir des fucking caves. Ben, excuse-moi, là. Mais là, je suis sans connaissance. Ben, si tu sens que t'as rien à te reprocher, t'as pas à te justifier rien, là. Moi, si j'ai arrêté de faire ça, justement, je suis tanné, là. Fait que je te comprends en même temps. Là. En fait, je pense que tu me comprends, là. Je veux pas que tu m'aisses. Oh, taille! Voyons, non. Le pire, c'est que je laisse encore le coup pour toi, là, c'est ça la fin. Oh, Kev! Je suis surprise que tu sois partie, je suis contente que tu sois restée. Le violon! Je suis plus avec toi aussi, moi, ça me fait plaisir, tu vois, en bling. Oui. Oui! Le calme, hein. Ici. Je vais pas te tuer. Je vais te Ah! Le chien. Je comprends plus rien. C'est chaud, man. C'est malade. T'es un qui disait, trouves-tu qu'il y a des clans qui ont été formés, là? Clairement qu'il y a des clans, là. On est encore beaucoup dans l'aventure, là. C'est sûr que c'est ça que ça allait faire. T'as les clans de l'autre bord, t'es ici, mais Kiki, il fait pas partie de notre clan vraiment, il fait partie de leur clan, eux. Hein. C'est ça, essaie de la jouer neutre avec la Mais ça, merci! Ouais, il habite avec nous, je pense que le gars, il nous aime quand même, là. Ouais. C'est pas qu'il fasse semblant. On pourrait pousser sur Carl parce que Ophelia, je pense qu'ils savent qu'elle joue un peu. Mais non. Mais c'est parce que si tu commences à t'attaquer à Ophelia, c'est lourd, là. Non, il faut pousser Camille. Il faut que les filles s'acharnent sur le cas de Louis, man, par rapport à Camille. Hello! Hey! C'était bien, man. C'était juste s'excuser de justement avoir dit des affaires dans mon dos. Elle a commencé comme ça. Elle a commencé direct avec ça. T'sais, il m'a dit, Cam, si tu m'appelles quand à Montréal, je vais répondre à ton appel. Puis... Ah, c'est dans mes cues. T'sais, j'ai comme fait un petit hint là, dans le sens que comme Angel, qu'on revient à Montréal, qu'il n'y a plus de sous-entendus, puis elle a dit, ouais, qu'il n'y a plus de 3 maisons non plus. Lâche pas le morceau, là. La maison 2 et vous avez toutes comploté pour me sortir hier. Mm-hmm. Puis que ça n'avait pas marché. Puis que j'ai dit que on s'était parlé entre filles, puis ça s'était réglé, puis il était vraiment content d'entendre ça. Il se sent comment par rapport à Jen? Y a-t-il c'est ça? Ou genre... En fait, tu sais, il a dit que c'était des amis, ils se sont fait du fun, mais que son genre de fille, c'était vraiment moi. Big damn! Welcome dans Team COVID! Ça me casse la tête, ça me fait chier le fait qu'en ce moment, il arrive comme une fleur, il te dit t'es super belle, t'es ci, t'es ça. Ça me frustre parce que hier, il était prêt à partir avec Jen se faire du fun. Puis maintenant, ben, il parle de toi, puis nanani, nanana. Puis pendant que Jen était là, ben, il était plus sur elle. J'ai vraiment servi de Jen pour rester parce que Jen nous avait sauvés. Pendant qu'on est toutes là,
Mais je trouve que j'ai des excuses à te faire. Oh, mais non. Non, mais, c'est... Non, mais je suis sincère là-dedans. Il a dit à Kim qu'il avait vu toutes les émissions. C'est avec une personne à qui on devait pas se faire attention. Ben, lui, à ce moment-là, c'était weird parce que la prod, c'est fucké. Ben, ils interviennent jamais, sauf dans les moments de même. Puis à ce moment-là, tout le monde parlait de Camille. Puis la prod, les nounous sont rentrés, puis ont fait arrêtez de parler d'elle! Comme si c'était too much. J'étais comme what the fuck, genre. C'est tellement étrange, hein. C'est comme si la prod voulait absolument pas qu'elle parte pour les mauvaises raisons, du coup, de genre. T'es comme, voyons, Chris, laissez-nous jouer. C'est un jeu ou vous gérez tout, tu sais? Ben, moi, il y a encore un truc qui me tracasse. Les somnifères. Je trouve ça weird que t'aies pas demandé à Kev pourquoi il a passé toute la soirée à se pogner avec Louis. Parce qu'on avait juste 10 minutes, puis je voulais focusser sur guérir ma relation avec Kev. Je trouve ça weird. Pourquoi? Ben, moi, si mon chum, il avait passé la soirée à se pogner avec un autre gars, puis qu'à chaque fois que j'essaie d'aller parler, il me dit non, pas de suite, j'aurais trouvé ça curiosité, vraiment, genre. Vraiment bizarre. On avait tellement une belle discussion sur, tu sais, l'honnêteté, loyauté, tu sais, nos valeurs et tout, que j'ai vraiment oublié, puis j'ai même pas pensé à ça. Non, ça se peut. Je suis tannée de me faire passer pour une cruche, là. À vous, hein, Alex? C'est genre, dread ça, là. Puis arrête de t'excuser, parce que il y en a encore des doutes. Alexandre, la môme! Fais pas ça, nous autres, grâce. C'est victime. Oh, je suis plus capable. Hey! Aujourd'hui est un grand jour, puisqu'il marque officiellement le début d'une nouvelle ère. Oh! À compter d'aujourd'hui, tous les garçons d'Occupation Double Afrique du Sud habiteront sous un même toit dans la deuxième maison! C'est fou, ça. Je pensais avoir une semaine tranquille avant d'avoir des nouveaux colocs. J'espère que le monde va être mature puis qu'ils vont se ramasser, mais quand je suis un peu inquiet de la tournure des événements les prochaines journées. 7-8 heures d'ensemble! Ça va être bon, ça! On avait une grosse maison à 3 personnes, puis on se retrouve à 7 personnes qui n'arrêtent pas de péter. Vous aurez compris que ce déménagement laissera la troisième maison complètement vacante. Oula! Là, là, Jay, là, que je te jure que si tu nous annonces qu'il y a d'autres filles, je te jure que je te c***isse dehors. Bien, je vous annonce... Il y a 5 autres filles. ...qu'elle accueillera très bientôt. Quoi? Rien du tout, vraiment. Et rendu là, tout le monde est tellement à cran, gros, tout le monde... Ça serait bon! Fait que, messieurs, commencez à faire vos bagages, parce que vous déménagez aujourd'hui. Mais là, c'est juste ici. Ici? Là-bas? Je sais pas. Quand on va entendre des niaiseries là, que les autres gars ont dit, on va pouvoir se confronter direct. Ouais, moi, je jugerais pas à la game de l'hypocrite. Là. Si vous rentrez ici, vous m'expliquez tout et pourquoi vous avez tout dedans contre moi. Je suis certaine que Kev va trouver Carl, Mathieu et Louis. Hello. À venir à Occupation Double. Ben oui, on était long que le calice. Les heavy motherfuckers. Je vous invite à leur préparer de la pizza. Deux d'entre vous pourront non seulement livrer la pizza aux garçons, mais aussi déguster la dite pizza avec eux. Et les deux chanceuses sont celles qui étaient en danger dans j'ai pas la été bon, élimination. Rim et Trudy. T'es pas bon, baby. God damn. Pizza time, les amis. Hunter, c'est tellement bon, man. Ça va être vraiment cool pour les gars. Genre qu'après l'imparté, ils peuvent débriefer puis se parler de, tu sais. Comme là, faut qu'ils attendent puis. C'est Josiane. Comment ça va? Parce qu'ils veulent parler aux autres gars, genre ça. Ils doivent être vraiment contents en ce moment, là. Pour vrai? Ben, nous, on était tellement contentes quand on a déménagé ensemble. Ouais, vraiment. Ils vont tous débarquer. Quoi? Pas tout? Ils vont crier. Ils vont vivre 7 comme nous on a vécu 7. Il y a tellement de monde encore là. J'ai l'impression que les gars dans la maison 3. Ils vont peut-être taper sur les nerfs, Kev. Ben ils s'aiment tellement tous les gars. Ben oui. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on dise, dites-nous. Moi j'ai quelque chose c'est à dire. C'est tellement tous les gars. Ouais. Je voudrais juste pas qu'on parle à mon dos encore. Ben là-bas, tu vois. Ah ouais. Ben s'il y a quelqu'un qui parle dans ton dos, je vais te le dire. Parfait. Merci. Et je vais leur dire que je vais le dire à Camille. Cool. Ah. Merci. Ah. Rhythm, on s'est quand même vu beaucoup pour avec le point à ce moment-là. Chez nous. Parce que les gars vont être bien hypocrites ou ils vont juste faire comme si on était vraiment pas contents qu'on arrive? Ben hypocrite. Ils peuvent même pas mettre le lit genre ici parce qu'il y aurait même pas de photo derrière lui, genre.
Il y en a sûrement un qui s'en va ce soir ou demain. C'est sûr qu'il y en a quelqu'un qui s'en va ce soir. Là. On a mis nos. Dude, on avait mis nos. Nos fucking médailles de crétins, genre. On a gagné! Pipin True, grosse chat. En fait, non, j'étais pas chaud, j'étais juste fucking noob, pour vrai. Comme le dude que je vois en show là, je le déteste, man. J'ai l'air d'un nasty retard, pour vrai. La façon dont je parle, pis tout, je suis comme, mon dieu, t'es donc bien sans dessin. Je voyais ça comme un gros jeu, mais c'est parce que c'est pas. Ça reste notre vraie vie. Puis moi, je voyais ça comme si c'était juste une grosse game de ballon chasseur, comme le coup d'avant quand je les ai. Je suis normalement encore for sure, mais au moins je suis conscient de ce qui se passe, Ben. Je sais pas. Je suis rentré et j'ai tout senti l'atmosphère tendue. L'accueil était bien, honnêtement. Tous les boys étaient vraiment contents, excepté le moment où est-ce que j'ai tapé dans la main de Kev. Tu le sentais qu'il y avait un certain désarroi par rapport à moi qui rentre dans sa maison. Bon! J'ai juste serré la main à Mathieu, sachant que lui, il trippait vraiment pas sur mon cas face à l'élimination d'hier soir. C'est beau ici, c'est beau chez vous? Je suis revenu dans la maison de l'inquiétude et de la pesanteur et de l'espoir. Écoute, on va essayer de changer ça, là. On a du fun, on est heureux, tout va bien. Je me suis fait des nouveaux chums. Yeah! Là, on a une annonce à télé. Je suis tellement un estilé, gros. Moi, je veux juste que tout le monde s'en aille et je vais aller à la finale. Je suis tellement dégueulasse, big. C'est moi qui est parti au spa avec Camille. Ah, c'était cool? Ouais, c'était cool. À part qu'il nous a pas dit qu'ils ont frenché, là, mais... Ah, c'est chill, ça. Good show. C'est une game à la base, mais c'était... Je l'ai tellement trop sérieux, je suis mauvais. Il y a du fun. Comment vous allez faire? Vous allez l'échapper. Mais dans le sens que échapper la pas. Ouais, fait qu'il y a du fun. Non, mais parce que sinon, elle va te défoncer dans l'envers, la boîte. Hein? C'est beau, Ophélia. C'est délicat. Yo, inquiétez-vous, ça va aller. Panique. Je suis en plus, Kev, là, je l'aime fou, là, plus, c'est ça qui est calme. C'est un des gars avec qui j'ai la plus belle relation aujourd'hui. C'est tellement épais. Ça fait pitié.